Eh bien, bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Plague Inc, un jeu d'infection et de contamination et de maladie. Donc, on va bien se marrer sur ce jeu, vous allez voir. Pour l'instant, j'ai un crack. Ouais, je sais, je suis pauvre. Non, mais quand même, vous allez comprendre pourquoi j'ai un crack. C'est parce que, sérieusement, la version complète est totalement comme le crack. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc, vous pouvez voir, hein. Pour ceux qui connaissent le jeu, bon, vous pouvez reconnaître des choses. Donc ça me tentait de tester le jeu vraiment avec le pathogène virus. Donc bon, vous allez comprendre, en fait, il y a différentes maladies qu'on peut faire. Et bon, on va voir ça. Donc là, on va faire le virus. Donc on va continuer. Donc là, bon, on peut insérer des gènes. Bon, pour l'instant, c'est pas vraiment... On n'a pas vraiment... Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Allez, donc on continue. Bon, donc là on va le mettre en normal, ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué, hein. Je suis pas très chaud. Donc le cornivirus. Je sais pas pourquoi je l'avais... Bon, allez, on va le nommer comme ça, le cornivirus. Vous êtes un nouveau virus. Pour gagner, il vous faut évoluer, vous propager dans le monde, anéantissant l'humanité avec l'épidémie ultime. Sélectionnez le pays de départ. Donc on doit sélectionner en gros le pays qui va avoir le premier contaminé. Et moi je choisis... Que ce sera en Algérie. Voilà. Donc on peut voir ici, il y a des petits trucs, des petits icônes. Ça nous donne des informations à propos du pays. Donc on peut voir ici. Enfin, on va la regarder. Hein. On peut voir ici qu'il y a un signe d'argent avec une barre. On se veut dire que c'est un pays pauvre. Donc désolé l'Algérie, hein, ceux qui viennent de l'Algérie, mais c'est un pays pauvre. Ici ça veut dire que c'est aride, et ça veut dire qu'il fait chaud. Donc vous allez comprendre pourquoi c'est important de savoir cette information. Et puis ici on peut voir notre petit virus qui va se développer. Donc vous allez voir. Donc là ici, bon, on a différentes évolutions caractéristiques qu'on peut améliorer. Et là ici on a la barre de l'infectiosité. Donc l'infectiosité, ou combien votre agent pathogène est infectieux. Donc pour se contaminer, ça c'est la sévérité. À quel point votre pathogène est létal. Ici la létalité, à quel point votre pathogène est létal. Bon, c'est la même chose. What the fuck. Donc là ici on a les symptômes. Ici on a les capacités. Donc c'est vraiment cool. Allez, donc on va le mettre en mode x2. Allez, on va pas perdre 10 ans dans... Attends. Type de maladie, virus, cornivirus, ouais, voilà, cornivirus est un virus, des mutations surviennent rapidement et aléatoirement. Des points d'ADN seront nécessaires pour annuler une évolution. Malheureusement, on va devoir, ça va nous coûter de l'argent lorsqu'on va vouloir enlever une évolution. Parce que vous allez comprendre, si jamais il y a une mutation, alors en tout cas, vous allez voir, lorsqu'on va avoir une mutation, je vais vous expliquer. Ouais, pour l'instant, ça va bien, il y a 5 infectés. C'est pas mal, c'est la base, c'est la base, c'est la base. On va voir si on peut pas améliorer de quoi. Pour la transmission. Particulièrement dans les nuages. Augmente l'infectiosité, particulièrement dans les régions rurales. Eh bien non, je crois pas que ce soit... On s'en fout, hein. Parfois ça donne des informations pas très importantes. On s'en bat les... Donc là, il y a 8 infectés. Bon voilà, donc là on peut s'acheter de quoi là. Ça va être parfait. Donc ça dit, l'agent pathogène se transmet par la poussière. Ceci augmente l'infectiosité, surtout dans les pays arides, et la transmission par avion. Donc on se rappelle que l'Algérie est un pays aride. Donc c'est parfait. On a fait évoluer le cornivirus, bien sûr. Quel est tout. Donc voilà le gros problème qui nous fait chier, sérieusement, qui va nous donner envie de vomir. Non pas à cause du virus, mais c'est qu'on développe des symptômes. Là, vous allez dire, mais là, c'est gratuit. On développe des symptômes gratuits, mais c'est parfait. Eh bien non, mon petit attardé mental. Parce que si on a un... Si exemple, une personne est en train de tousser, eh bien les docteurs vont l'analyser. Et là, ils vont découvrir le virus. Et s'ils découvrent le virus, eh bien, ils voudront faire le remède qui est ici. Donc là, il est à 0% parce que personne n'a encore découvert le cornivirus. Mais s'il y a des personnes qui toussent, eh bien, ils vont le découvrir. Donc justement, c'est pour ça que je vais faire annuler. Retirer l'évolution sélectionnée, mais bien sûr, comme ça, regardez, c'est vérité, on n'a pas vraiment de chance de se faire découvrir, ce qui est parfait. Donc là, on commence déjà à avoir une vingtaine de personnes infectées, mais c'est parfait. C'est parfait, donc ça c'est vraiment aussi un jeu basé sur la patience. Non, je déconne, non, mais c'est quand même assez cool.
pouvez voir, hein, vous pouvez vous demander mais pourquoi on voit plein d'avions. Ben si jamais par hasard une personne infectée voyage, mais on va pouvoir contaminer d'autres continents et pays. Donc ouais, je sais, on peut avoir des informations sur le pays. Donc on voit dans le monde, il y a seulement 153 personnes infectées. C'est pas assez, c'est pas assez. Donc là on va voir dans la transmission, on va faire d'autres choses. Ici, l'agent peut survivre hors du corps dans de l'eau. Augmente la fluidité, surtout dans les régions minées, la transmission par bateau. Ça coûte 15, ça coûte 10. Je crois qu'on va le faire. Et voilà, l'infectiosité quand même assez élevée, ce qui est parfait. L'évolution permet de réinfecter les navires. L'augmentation de transmission dans l'eau permet à Cornivirus de résister aux nouvelles méthodes de nettoyage sur les bateaux, de se protéger et de se propager à nouveau entre pays. Eh bien, Cornivirus infecte des centaines de gens. C'est parfait, donc là on a déjà 300-400 personnes. Donc vous allez voir, là à partir de maintenant, ça va quand même assez rapidement. Vous allez voir, ça commence déjà à être rouge, mais vous allez voir, ça va être complètement rouge. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est parce que lorsqu'on prend une de ces améliorations, malheureusement, ça augmente les chances de mutation. Et les chances de mutation, eh bien, ça coûte des points d'ADN. Bon, voilà, donc un nouveau symptôme, putain. J'espère juste que on va pas se faire découvrir. Allez, un autre point d'ADN, s'il te plaît. Le cornivirus, des milliers d'infectés, mais c'est parfait. Mais c'est parfait, donc on a déjà 10 000 personnes infectées. Environ quelques jours. Vous voyez, ça c'est des jours, donc 6, 7... Ouais, ça fait déjà 130 jours que... Ah voilà, donc il arrive en Libye, ben c'est parfait ça. Donc il s'est transmis dans un autre pays. Ce qui est parfait. Donc ça on va enlever ça pour pas se faire. Pour pas que les scientifiques découvrent qu'on est là. Voilà, donc ça infecte déjà plein de pays. 100 000 infectés. Oh, regardez, il infecte de nouveaux pays. Vous allez voir, il va y avoir des parfois des bateaux rouges. Ça veut dire qu'un bateau. Regardez. Ça, je sais pas si c'était un bateau rouge. Éruption cutanée, BMR, non on veut pas ça. Dégage. Non, on veut pas de toi. Parfait. Pour l'instant, c'est ok. Pour l'instant, on est... Ma stratégie va quand même bien. Là, on peut se déplacer et regarder alentour du monde. Voilà. Si c'est pas magnifique. Et bientôt, ça sera complètement rouge. Donc, vous voyez là, déjà là, on commence à avoir des picots un peu partout. Là, déjà 6 millions de personnes infectées. En seulement environ 200 jours. Donc plus virulent que la tuberculose. Oh bien, la tuberculose. C'est parfait. Donc au début on va infecter toute l'Afrique et après eh bien on va doucement s'introduire dans les autres régions. Donc je vous garantis pas de gagner. Sérieusement, en mode normal je l'ai déjà fait. Ça fait déjà longtemps, là je suis vraiment plus chaud. Avant j'étais carrément un gamer, je me faisais des stratégies de la mort. Là maintenant moi au calme quand je joue c'est pour le plaisir. Hein. Allez, transmission, ok, on peut rien acheter. Eh bien, sérieusement, on est pauvre. On est des gros pauvres. Oh non, sérieusement, pas de la nausée. Encore, putain. Bon. Voilà. Pour l'instant, voilà. On a infecté complètement toute l'Algérie. Et là, ben... au Maroc, ils sont pas vraiment pressés. Et en Afrique Ouest, bien encore moins. Donc là il y a des capacités aussi. Ça c'est l'ADN devient davantage instable, augmentant les mutations aléatoires. Non, on ne veut pas que ça arrive. Ah voilà, parfait. France, des inondations massives. Je rends pas les steaks. Vous voyez, ça l'a fait 243 morts. Eh bien, comme c'est dommage. Il y a des pauvres Français qui sont morts. Bon, je m'en bats les steaks parce que je suis québécois. Donc, non, je déconne. Non, allez. Mystère aux Jeux Olympiques de Londres. Il faut se rappeler que ce jeu date de quand même assez longtemps. Le rapport des Jeux Olympiques de Londres, c'est un mystère. Les annonceurs promettent que l'attente ne sera pas longue. Aucune raison n'a été donnée pour justifier cette décision. Eh bien, merde. Parce que lorsqu'il y a des événements sportifs comme ça, eh bien, ça augmente les transports, donc ça augmente la propagation dans d'autres pays.
Là pour l'instant c'est vraiment calme. Hein. Ils sont vraiment pas pressés. Ah merde, sérieusement, ça me fait chier. Bon, l'organisme peut se transmettre par voie sanguine. Par le bétail. Je crois qu'on va économiser pour ça. On va économiser pour ça. Voilà, parfait. Kiste, je m'en bats les steaks. C'est pas trop sévère quand même. Je m'en bats les steaks un peu. Parfait. Là on voit que ça commence à s'en venir en Asie. Doucement, lentement mais sûrement. Ah vous voyez, on a entendu quelque chose tousser. Ouais, donc là, hein, ça montre vraiment que l'infection, là, ça se propage. Il y a pour l'instant 53 millions de personnes infectées. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Je sais pas vous, mais je trouve ça quand même assez pas mal. Allez, on va faire améliorer l'eau. Transmission par l'eau. Comme ça, les bateaux et tout ça, ça va bien aller. Allez, donc là, on peut voir hein, l'astuce, le Maroc est ta gueule. Allez, donc là, on voit hein, au Maroc, il y a plus vraiment de... Voilà. Allez, voilà. Donc là, on s'en va en Amérique du Sud. Plus viral que le HIV. Waouh. Eh bien, merde. Donc, vous voyez, lorsque je vous parlais de se faire découvrir, eh bien, Maroc. Un docteur découvre une maladie nommée coronavirus. Inoffensif de plus ample, analyses sont nécessaires. D'autres pays font état d'une maladie similaire. Eh bien, merde alors! Vous allez voir, si c'est pas trop létal, ils vont pas trop se soucier, ils vont pas faire des grosses recherches. Mais dès que ça va devenir létal, et vous en faites pas, ça va devenir létal, donc létal, ça veut dire que ça tue des personnes, eh bien, ils vont dire, ah merde, il faut un remède. Et là, eh bien, s'il trouve un remède, c'est fini, on a perdu. Et là, de la nausée, non, ta gueule. On veut pas de nausée. Est-ce que c'est plus sévère que ça? Telle est la question. On va enlever cette évolution. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de points d'ADN en réserve. Là, on en a. Donc là, ça va être la partie où on va avoir beaucoup d'ADN. Vous allez voir. Là, on en a 10 pour l'instant. Ça va continuer, vous en faites pas. Voilà, on va faire x3. Ok. Les soins freinent l'infection. Donc là, vous voyez, on est arrivé les Jeux Olympiques, un succès. Capacité, on va résister aux médicaments. Ça. Lorsqu'ils vont prendre des médicaments contre les virus, eh bien, ça devrait bien. Voilà, donc là, lorsque je parlais de richesse... voilà, donc là, on a 10 points d'ADN. C'est quand même pas assez, hein. Actuellement, on cherche à en avoir au moins une bonne quarantaine. Voilà. Fort sisme ressenti. Bon, c'est parfait. De plus en plus qu'il y a de morts. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je veux pas perdre de l'ADN. Vomissement. Non, pas de vomissement. Non, pas question. Pas de vomissement. Non, ça c'est pas accepté. Pardon. J'avais pas le choix. On peut accepter la nausée, mais pas le vomissement. Ça, c'est non. On voit déjà que dans le monde, on peut voir que ça commence à infecter. La maladie prend son temps, mais un jour ou l'autre, elle va commencer à devenir complètement dans tout le monde. Là, vous voyez, on est plus dans les pays chauds. Mais là, regardez ici, en Arabie Saoudite, ça commence à devenir... ouais, voilà. Ça commence à devenir vraiment... voilà, regardez ça. Journée de sensibilisation. Des œuvres de charité dans une sensibilisation incarnée dans le but d'augmenter l'intérêt du public et d'accélérer... Oh mais les enculés quand même. Non, ils osent faire une journée de sensibilisation envers mon virus. Eh bien non, bande de connards, ça marchera pas. On va devoir... donc ça, vous voyez, hein, l'agent pathogène devient plus difficile à analyser en laboratoire. Ralentit la recherche. Eh bien, voilà, bande d'enculés. Voilà. Voilà. Donc là, ça devrait ralentir la recherche. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de recherche. Recherche d'un remède, là, c'est... Putain de merde. Donc là, vous allez voir, il faudra péter les petites bulles bleues. Si je me trompe pas. Là, pour l'instant, on n'est pas assez infectieux. C'est quoi ça? Je m'en bats les steaks. Voilà. Éruption cutanée, nanana.
Pas besoin de toi. Pas besoin de ce symptôme. Ça, à quoi ça sert? Non, pas la peine, pas la peine, pas la peine. Et ils ont déjà commencé à avoir des recherches. Bon, ça c'est pas mal la dernière évolution qu'on faisait. Sans le reste, ça... Plus viril que le rhume. Donc là on voit déjà 2 milliards de personnes infectées, mais c'est vraiment fou. On va améliorer l'infectiosité dans les pays froids, parce que là on voit au Canada et au Groenland, hein, ils sont plutôt balèzes. Hein, à peine quelques points rouges. Même au Groenland, il n'y a personne qui a été infecté. Sérieusement, je suis déçu. Cornivirus sur la liste. Bon, pour l'instant, il y a seulement 3%. Donc là, on est ok. Ça devrait pas trop causer de problème. Là, je sais pas pourquoi au Pérou, ils ont pas de problème. Ils sont calmes. Pas du tout d'infecté. Tout. Non, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de tout. Ah ben. Je crois que si on a 3 symptômes, on est dans la merde. Ça, là, tout, si je fais manuel, ça enlève une bonne partie de l'infectiosité. Je crois qu'on peut enlever des vomissements. Non, un vomissement, ça fait rien faire. Ah, ça enlève une bonne partie. Voilà. Une toux. C'est pas si mal, une toux, quand même. Les chercheurs vont pas faire une crise à cause d'une petite toux, hein. C'est pas si grave, hein. Pas grave. Je sais pas, j'ai pas pris le temps de... Putain, donc ça veut dire que ça va devenir de plus en plus... Ça va devenir de plus en plus... Ça va devenir... Là, il y a même des pays qui vont commencer à fermer leurs frontières. Bon, voilà. Les ports fermés. Donc, on ne peut plus infecter ces endroits. Donc là, si le Groenland, par une raison que je ne sais pas, eh bien, décide de aller adios amigos, moi je dégage, et on est dans la merde. Oh, ça, c'est une grosse partie. Hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment pas sévère. On va pas en faire un drame, les mecs. Nah, allez, les gens. On va pas devenir fou pour ça, quand même. On va pas s'énerver pour ça. Ça commence de devenir de plus en plus cool, mais pas assez à mon goût. La transmission va devoir augmenter d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est 21. Ignore les filtres OR, surtout en zone une transmission par un bateau-avion. Allez, investissement. J'ai investi 21 points là-dedans. La Coupe du Monde annulée. Oh. Oh, voilà. Voilà, on a infecté le... Oh, mais... Casse-toi, mec. J'ai pas besoin de tes informations. Une pneumonie. Non, non, ça, c'est trop, un petit peu trop dangereux pour ceux qui portent le cornivirus. Bon, déjà là, on est à 20%. Là, on commence à s'infecter. Le Canada, lui, il est balèze, il n'y a pas vraiment d'infectés. Et au Groenland, la personne n'a toujours pas infecté une autre personne. 25% cheveux. Ça me fait chier. Je vais devoir 15 points d'ADN. Sérieux. C'est pas une blague. Ah non. Ils font vraiment pas de blague. Allez. Allez. Ah, ouais, vous voyez en Russie, là? Séquençage du génome complété. Chercheur du WHO affirme que cette avancée aidera au développement de remèdes. Merde, non, on ne veut pas. Non, il n'y aura pas de remède, ok. Ah, déjà là, vous regardez ça, hein, ça va de soi, ça va faire chier. Ok, donc il y a des kystes. Bon, moi, je dis que tous les prochains symptômes, on s'en fait pas. Ah, ça fait que du bien. Pour l'instant, on est ok. On a besoin que d'attendre. Libby for Sims me ralentit. 8 dégâts atteints, des milliards. Des années seront nécessaires pour réparer les dommages causés aux familles, entreprises et centres de recherche. Yes! Donc ça devrait ralentir la recherche. Je crois, je ne suis pas sûr. Mais fièvre, ça je crois que c'est létal. C'est un petit peu létal, un petit peu trop létal pour moi. Je dirais pas non, mais on n'est pas encore rendu là. Vous voyez, là ça commence. Là, ça c'est le début d'une bonne chose. Je le sens. Cornivirus doit évoluer pour tuer. Ouais, mais tu dois attendre, mec. Bon, 50%, on commence à faire la tuerie. Vous voyez? Oh, ça c'est vraiment la couleur que j'aime, hein. Le rouge, les gens. Abcès, pas de problème. Allez. Allez. Ouais, ta gueule. Allez, ça c'est parfait. Ouais, ça devient complètement tout rouge. Allez,
on commence la maladie. Allez donc, infection systématique, organes et tissus, consommation, ça va faire de la létalité en... Ça va faire de la grosse létalité. Ça va faire de la grosse létalité. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est bien, si on devrait... moi j'ai qu'on... faire cette branche. Ou ça c'est peut-être un petit peu trop dangereux pour nous. Un petit peu tantiné. Ça c'est vraiment lorsqu'on est en mode catastrophe nucléaire, on doit vraiment... l'état d'urgence. Ok, on peut faire ça, la rendant instable, et là il va avoir plus de mutations. Allez, la Nouvelle-Zélande commence à s'effondrer. Corée, première mort confirmée. Donc le cornet nausée, je sais pas, pas de problème. Le Canada commence à combattre le remède. Ok, donc le remède est déjà à 60%. Ouais, c'est ça. Donc à 80... Ouais, vous voyez, ça avance de jour en jour. La recherche concentrée sur le remède, et bien merde. Ok les gens, vous êtes prêts? C'est le temps de lancer l'arme fatale des symptômes. Bon allez, donc le coma. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Fallait que j'économise pour ça, merde. Fallait que j'économise pour ça. Fallait que j'économise pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, je sais pas si je vais être capable. Paralysie. Ah ça c'est une bonne chose je crois. Je suis pas sûr. Je crois pas qu'on fasse ça sans mort. 120 millions de morts. C'est peut-être pas assez. Cornivirus tue à tour de bras. C'est peut-être parfait. Je sais pas si on va réussir. On commence à tuer beaucoup de personnes. 75%, putain. Je sais pas si on va réussir. Non, le rassemblement génétique. Si on fait ça, ça devrait bien aller, c'est ça qu'ils disent. Je vais ralentir. Oh ouais, ça descend de 10%. Voilà, on a tout investi ce qui nous restait. Des pneumonies. Allez. Tu dois muter, jeune Padawan. Plus de personnes. C'est dans le monde, mais allez tuer. Il faut tuer. Il faut tuer des personnes. 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 Il reste... Ah merde, je sens pas qu'on a perdu. Non, on n'a pas perdu, peut-être que si, peut-être que non. Putain de merde, regardez ça, la couleur bleue va recommencer. Ben ouais, ben ouais. Bien sûr. Allez, Jean-Pierre. Chou, putain. Belle merde. On a perdu, on a échoué. On a échoué. Je suis vraiment désolé. On a échoué. On a échoué. Regardez notre score total. Donc sur 5, on en a eu un. Eh ben ouais, eh ben merde. Voilà, donc ça c'est le début de notre maladie. Vous savez quoi les gens? C'est déjà la fin de cette vidéo. Et on se revoit peut-être pour un autre gameplay ou let's play sur ce putain de Plague Inc. Craqué.